Bonjour à tous et bienvenue sur le jeu le plus futuriste du moment, Viking Saga New World. Ah ah ah, c'est pas du tout une copie d'Astérix, hein, mais c'est pas grave. Donc alors ici on peut construire un magnifique bâtiment, c'est vraiment chouette. Wow, encore une vieille hutte pourrave, merci. Ah merde, j'ai pas assez de ressources. Non mais c'est une blague. Il me faut quoi là du coup? Du bois, bah oui évidemment, hein. Aller abattre des pauvres arbres. Mais quel fou! Le gars, en fait, il a récupéré de la viande dans un arbre. Au temps des Vikings, hein, ils n'avaient pas les mêmes arbres que maintenant. Mais c'est quoi ce truc en forme de banane? Il faut quoi de l'argent? Alors, où est-ce que je vais trouver de l'argent? Alors, pour trouver de l'argent, hein, déjà, il faut une mine d'argent. Ah non, en fait, c'est de la thune, c'est pas forcément... Ok. L'invention de l'hôtel remonte aux Vikings, hein, ça, hein, il fallait le savoir, enfin, je sais pas. On vous apprend rien à l'école. Oh, le niveau est complet. Non mais attends, ils avaient inventé les feux d'artifice en 1000... même pas en 1000, encore avant, hein, en 250, avant Jésus-Christ. Ceci est une ferme, merci, hein, c'est... voilà. Je ne le savais pas en même temps. Hein. Et ça c'est quoi? Mais attends, une maison détruite, mais qui est venu détruire ma maison? Encore des migrants, mais je suis sûr de ça. On est que deux mecs là, à s'occuper d'un village, non mais les autres là, ils font quoi? Mais c'est quoi ces feignasses, sérieux? Ah d'accord, en fait, la maison elle est déjà détruite, mais il faut aller la redémolir derrière, hein, évidemment. Allez mec, au boulot. Voilà, c'est un portugais en fait, voilà. Les Vikings sont portugais. Et il faut faire quoi là? Par attendre. Et récolter de la viande dans les arbres. Le mec, il fait tout le tour pour aller au même endroit, il avait juste à passer là, quoi. C'est quoi ce mec intelligent, là? La déforestation, hein, c'est bien, hein, ça, on le sait. On a besoin de plus de nourriture. Bah, je sais pas, mange l'arbre, mec, je sais pas. C'est quoi ce faible? Attends, il est juste à côté, il peut pas y aller tout seul quoi. Il faut forcément que je lui demande. Mec, va dans l'arbre, hein, va récupérer... hein, non, je crois. Les mecs, en fait, ils arrêtent pas de répéter la même chose. Quand tu les appelles à un endroit, il fait « Ouais, j'arrive. » Un autre « Ouais, j'arrive. » Non, mais je sais pas, mec, change... Voilà, tu veux pas lire un peu? Apprendre du vocabulaire, je sais pas. Le saviez-vous, hein, il faut de la nourriture pour pouvoir construire une maison, hein, évidemment. Une maison en nourriture. Une très bonne idée. Il faut construire des baraques, hein. Tout le terrain disponible, il l'utilise pour faire une vieille cascade fontaine bizarre, là. Astérix qui rencontre un vieux, hein. Ça tourne mal. Oh là là, un terrible désastre a été sur l'île. Mais je m'en fous de ton désastre, mec. Moi, ce que je veux, hein, c'est faire de la thune chez moi. Si j'ai besoin de venir chez toi, hein, je fais une invasion de migrants, puis c'est tout, hein, je sais pas. Parlez au druide, parce que le mec, là, ultra intelligent, c'était un druide. Bravo. Ouais, il a l'air content d'avoir gagné le niveau. Hein. Alors lui, il est magique, hein, il sait tout faire. Hein, il sait tout faire. Un moulin, une maison, un truc, je sais pas, une voiture, un train, tout, il sait tout faire. Voilà, c'est le mec à tout faire d'ailleurs. C'est un esclave, hein, parce que je le paye pas du coup, hein, sauf en nourriture. Oh, petit animal. On va aller détruire son habitat naturel, hein, comme c'est le cas en vrai. C'est quoi ça? D'accord, le mec en fait, il peut pas aller là-bas parce qu'il y a trois bouts de bois sur le chemin. Mais je sais pas mec, tu peux pas passer par-dessus ou je sais pas, voilà, te débrouiller un peu par toi-même, non? C'est quoi ce faible? Ok, alors apparemment il faut construire des baraques et un bateau. What? Alors on va commencer par la maison, hein. Ah, il manque de la nourriture, ah bah oui, bien sûr, hein. Où est-ce qu'on peut trouver de la bouffe, là? C'est quoi ça? Ferme à démolir. C'est quoi ce cri, là? Mais qui c'est qui tue des gens, dont? Mais il est tout seul, le mec, là? Je sais pas, il peut pas inviter un de ses potes ou je sais pas. Alors allons chercher le coffre, hein, comme ça se trouve dans la nature, hein, voilà, un coffre sauvage. Ah, il cherche dans le coffre. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Ah, bah de la bouffe. Bah ça fait plaisir, hein. Ah, il faut cliquer dessus après, parce que lui, hein, il n'y arrive pas. Il est trop faible. Et là, on appelle un autre mec. Ok, c'est cool. Ok, maintenant il faut construire le bateau, alors il nous manque tout. Après, plus ils sont nombreux, plus il faut de la nourriture, alors voilà. Hein. Si c'est pour se retrouver avec un régiment qui meurt de faim... Ça sert à rien, hein. On se croirait chez les nazis là. Attends, ils sont pas assez grands pour aller chercher des fraises des bois tout seuls. Je sais pas mec, mange de l'air, fais un truc. Mais attends, à chaque fois ils ont besoin de nourriture, mais je sais pas, hein. Ils passent leur temps à manger, c'est quoi ces boulimiques là? Déforestation simulator, hein. Non, le jeu n'a pas du tout été commandité par l'industrie du papier, hein. Non, c'est pas ça. Afin de sensibiliser les gens au fait que détruire la nature, c'est bien. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Toujours pas assez de bois, non mais. Attends, ils passent leur temps à déglinguer des arbres et ils ont toujours pas assez de bois. Mais vous faites quoi avec le bois? Vous les mangez ou quoi? J'aime bien quand même les fruits qui repoussent en 3 secondes. Les fruits magiques. Alors comment il va faire le bateau? Un écran de fumée nous cache ses manœuvres secrètes. Je suis sûr qu'en fait, il fait un rituel sataniste. Attends, maintenant il faut collecter de la bouffe. Mais il m'avait dit de construire un bateau.
Ah d'accord, il veut aller en fait à la conquête du monde. Mais oui, évidemment. Aller conquérir le monde afin d'aller tuer tous les autres peuples. Et ainsi, voilà. Et donc, oui, la bestiole qui est là-bas, hein, on a détruit tous les arbres autour d'elle, mais elle a pas bougé, elle est là, elle est tranquille, voilà. Elle fait toujours le même mouvement. Elle n'aurait pas Alzheimer par hasard. En tout cas, les graphismes sont vraiment ultra bien faits. Hein, enfin, l'eau et tout, c'est ultra bien fait. Oh, ils partent. Pour faire du feu, il faut un mec et du bois. Oui, les Vikings brûlaient des gens. Hein, mais ça, on ne le dira pas fort. Et ça sert à quoi de faire du feu là? Au lieu de construire à son échelle là, il peut pas le construire direct là? Il y a vraiment des gens intelligents. Tu te dis, bravo quoi. Voilà, détruire tous les habitats naturels qu'on croise. Très bonne idée. Alors, ça fait 20 minutes que j'ai cliqué sur le truc là, mais non, il ne se décide toujours pas d'aller prendre de la nourriture. Pourtant, il meurt de faim. Mais non, non, on s'en fout de manger. Mais vas-y, mec, je sais pas. Du coup, là en fait, on a une vieille baraque à moitié écroulée, hein, et on veut la construire. Mais parce qu'il y a trois branches de bois à côté, le mec, non, non, il peut pas, il n'y arrive pas. Les pires vikings du monde. Eh, mais attends, il neige maintenant. Voilà, le refroidissement climatique, on ne le dira jamais assez. Bah oui, bah y'a pas de nourriture, hein. Ouais, mec, alors, mange ton bras, après t'auras bien mangé, hein, et là tu peux construire une maison. Voilà. Alors les feux de camp, c'est fait. Alors, c'est vrai, hein, les vikings se fixaient un objectif quotidien d'allumage de feux de camp. Hein. Voilà, en dessous de 19, je crois, ils étaient pas contents, du coup. Alors récupérer des morceaux d'animaux, parce que les arbres sont des êtres vivants, hein, on ne le dira jamais assez. J'ai rajouté un mec, hein, alors d'où il est venu, je sais pas, hein, à la nage, ou alors, je sais pas, il est tombé du ciel, mais voilà. En tout cas, il est là. Hein. Pourquoi j'ai des mecs qui ont disparu, là? Mais j'ai plus qu'un bonhomme. Mais attends, ils sont morts ou quoi? Genre, alors ils sont barrés. Hein. Ils étaient pas assez bien payés, alors ils sont partis. Voilà, ils ont immigré en France pour être mieux payés. Maintenant, ils montent des maisons en France et tout va mieux. Mais pareil, là, il y a le mec qui s'est barré. Mais je fais comment maintenant pour avoir assez de trucs pour ça? Mais en plus, qui habite dans une banane géante en bois, quoi? Enfin, je sais pas. Ils ont une espérance de vie de 20 minutes. Même pas, en fait. De 2 minutes. C'est beau de voir comment la médecine a progressé. Hop, niveau fini, l'histoire. Oh là là. C'était compliqué. Eh, mais attends, ils sont tous là les mecs là. Ils applaudissent tranquille alors qu'ils ont rien fait. C'est quoi tous ces losers là? Bravo. Voilà, sur ce, moi je vous dis au revoir, à plus, salut, bye.